L'année 2021 a été énormément fournie en Jordan 4 et j'ai même eu de la chance parce que j'ai eu 3 de ces paires retail, la Fire Red et les deux premières Union qui sont sorties, la Guava Ice et la Off Noir. Et bien évidemment, vous connaissez mon amour pour toutes les paires qui sortent et j'ai fini par en acheter une au Russell et elle a un petit rapport avec un artiste que je vous présente énormément sur la chaîne. Donc si vous savez de quoi je parle, ça va forcément vous intéresser. D'habitude, lorsque j'achète mes paires Deadstock, je les prends sur StockX. Cette fois-ci, je me suis dirigé vers Russell by Romain et je vous avoue qu'il y a pas mal de petits avantages que je vais vous énumérer juste après qui vont forcément vous plaire. Et cette vidéo étant un partenariat avec lui, je vous ai déniché un petit cadeau, donc restez bien à la fin de la vidéo. Et avant de vous présenter la paire, il faut que je vous présente les avantages qui sont présents sur Russell by Romain. Croyez-moi, ça vaut le coup d'écouter. Et le premier avantage qui est présenté sur ce site, c'est que toutes les paires qui sont disponibles sur le site sont en stock. Cela veut dire qu'elles sont déjà vérifiées et déjà prêtes à l'envoi. Justement, ça fait lien avec le deuxième avantage. Il fait donc ses envois avec UPS et donc vos paires sont livrées sous 1 ou 2 jours. Et pour moi, c'est une très grosse plus-value parce que lorsqu'on dépense entre 300 et 400 euros pour une paire, on aime bien l'avoir rapidement au lieu de 2 semaines. Et dernièrement, pour faire lien avec le titre de la vidéo comme quoi j'ai payé la paire moins cher que sur StockX, c'est réel. Je viens de vérifier aujourd'hui, le jour de la sortie de la vidéo, le vendredi. La paire que je vais vous présenter coûte actuellement 370 euros sur Russell by Romain, à la différence de StockX où la paire, en incluant les taxes par rapport à l'authentification et au shipping, qui coûte actuellement 400 euros. Et pour moi, cette différence de prix n'est pas du tout négligeable et c'est un très très gros avantage qu'a Russell by Romain. Quand vous cherchez une paire sur ce site, vous savez qu'elle est en stock, vous la payez moins cher, elle est envoyée sous 2 jours et en plus vous achetez sur un site français, donc il y a quoi de mieux. Et donc j'ai en ma possession une Jordan 4. Si vous connaissez la boîte, vous savez de quelle Jordan je parle, mais on va faire d'abord un tour de la boîte parce que c'est une boîte assez spéciale. Il y en a une boîte avec marqué Flight à l'avant avec plein de petits reliefs avec un motif tacheté dessus qu'on va retrouver un petit peu sur la paire. On a le label juste là avec ma taille et on a le petit sticker Russell by Romain qui est collé sur la boîte. Je sais pas si on peut l'enlever, dans tous les cas ça ne me gêne pas parce que je vais garder la boîte. Lorsqu'on ouvre la boîte, on tombe donc sur un papier d'authentification nous disant que la paire est bien legit et qu'a été vérifiée par les soins de Russell by Romain. On a également une petite lettre nous donnant la facture, je ne vais pas vous la montrer sinon vous allez avoir mon adresse et tout, nous disant « Rock bien ta paire, signé Romain » et « Salut Thibaut, merci pour ta commande, n'hésite pas à laisser un avis sur le site, c'est très important, ne négligez pas ça. » En plus de ça, à l'intérieur, vous avez des petits embauchoirs qui sont livrés. C'est pas le genre de choses que moi je mets sur ma paire parce que moi je m'en fous des plis, mais je sais que ça peut plaire à tous les phobiques des crises sur les paires. Et on a donc à l'intérieur, si on lève le premier papier, la Jordan 4 Top 8. Alors pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps et qui m'ont suivi dans mon périple de une vidéo par jour pendant 2 semaines, vous savez que j'ai voulu cette paire et que malheureusement je ne l'ai pas eu parce qu'il y a eu des problèmes de shipping, etc. Aujourd'hui, elle est en ma possession et en plus, Romain m'a fait un petit prix dessus justement pour en parler en vidéo. Donc merci, merci du fond du cœur pour ça. Mais il faut que je vous présente la paire parce qu'elle est incroyable. Alors premièrement, Jordan 4, le shape, j'ai fini par le kiffer à force de l'avoir. Hein. Je me suis fait encore avoir par Nike, trop fort. Mais je suis trop fan parce qu'il y a tout ce côté marron sur la paire. Ça fait ma 3e paire marron avec la Travis, la Mocha et maintenant celle-ci. Je suis archi matrixé par ça, hein. Il faut que je vous le dise. Et donc la paire est recouverte d'un daim, alors je pourrais pas vous dire s'il est cali ou pas, mais il a l'air en tout cas sur l'ensemble de la paire. Et il y a également une deuxième matière qui est présente sur la paire, je saurais pas vous dire ce que c'est. C'est un cuir un petit peu brillant, un petit peu craquelé, qui rend un style assez spécifique sur la paire. On dirait de la peau d'éléphant, mais pas vraiment de l'éléphant print, hein, mais vraiment de la peau. Et je vous avoue que c'est le petit truc qui me faisait grimacer avant de recevoir la paire. Puis j'ai fini par l'avoir et j'ai fini par kiffer en fait, parce que je me suis fait avoir encore une fois par Nike, ils sont trop forts. Mais à force de voir les paires, je finis par les kiffer. Et en plus de ça, à l'arrière, on a le petit logo Jumpman. Alors, je préfère le Nike Air, mais bon, là, c'est le Jumpman, je vais pas me plaindre. Le petit Jumpman marron. On a également une semelle intermédiaire blanche avec un rappel également dessous ici. On a également la couleur infrarouge, parce que je pense le rouge est vraiment pétant, qui est présent sur la semelle, également au niveau de la languette et à l'intérieur de la paire, et ça rend extrêmement bien. Voilà, on a vite fait le tour de la paire par rapport à la Travis que je vous ai présenté il y a 2 semaines. Là, il y a, on va dire entre guillemets, moins de travail. Mais je suis très fan de la paire. En plus, lorsque vous rajoutez les petits lacets crème de chez Lebov, j'en parle à chaque fois. Jamais sponsorisé, mais je vous avoue que j'aime tellement le rendu que ça fait sur les paires. Alors j'ai essayé avec du lacet rouge, rose, blanc et noir. Alors je vous les mets en photo si vous voulez. Je suis pas fan, je préfère le lacet crème. Je trouve que ça vient un petit peu casser par rapport au noir qui est prévu dessus. Mais voilà, je suis très content du résultat. Alors j'ai également vu que certains ont réussi à l'embellir. Par exemple, il y a Alex, il y a un compte Instagram qui s'appelle Sneak Street. Si je dis pas de bêtises, désolé si je me trompe.
de toute façon tout est en description, où il a, on va dire entre guillemets, poncé toute la partie brillante, et je vous avoue que ça rend hyper bien. Je voulais le faire, et puis comme je vous ai dit, plus j'ai vu la paire, plus j'ai fini par la kiffer, et donc j'ai fini par la garder comme ça. Mais j'aurais pu la custom, et je pourrais la custom plus tard, mais pour l'instant je veux la garder intacte, et je suis très très heureux de l'avoir comme ça. Et maintenant que je vous habitue sur la chaîne, je vous laisse avec un petit on-fit, mais j'ai malheureusement pas mon cargo noir que je mets d'habitude, parce que je suis en plein déménagement, vous le voyez avec le changement de décor derrière, donc je m'excuse, mais je suis sûr qu'avec le cargo noir, elle serait passée extrêmement bien. On se retrouve juste après. Donc voilà, j'espère en tout cas que le unfit et la présentation de la paire vous auront plu. Moi, je suis très 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 content d'avoir la paire entre les mains. Et croyez-moi, je suis aussi très heureux de faire mon premier partenariat sur la chaîne. Tout ça, c'est grâce à vous. Croyez-moi, merci du fond du cœur de me soutenir. Et je vous avais dit que j'avais un petit cadeau pour vous. Et effectivement, nous nous sommes entendus avec Romain pour vous offrir 10€ de réduction sur votre commande, ce qui équivaut au shipping offert lorsque vous commandez votre paire. Donc lorsque vous arrivez sur votre panier, vous tapez dans le code promo GREZKA, G-R-E-Z-K-A, et vous aurez moins 10€ sur votre commande, donc les shipping offerts. N'oubliez pas, il arrive en 2 jours, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, encore merci à Romain pour ce partenariat. Je te remercie du fond du cœur, je te l'ai déjà dit 10 fois, mais tu le sais déjà. Je remercie vous aussi également derrière votre écran, bah, pour tout ce que vous m'apportez aujourd'hui sur YouTube, et croyez-moi, ce n'est pas négligeable. Et donc si vous avez kiffé et vous voulez me le faire savoir, n'hésitez pas à mettre un like et à mettre un commentaire, justement pour me parler de la paire, pour me parler de Romain si vous connaissez, etc. Il n'y a pas de souci, on pourra en débattre dans les commentaires. Et également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Ciao.